Thank you.
Instant nostalgique ce soir, salut tout le monde, salut Matt, salut Nicotine, j'espère que vous allez bien, allez on se met la pêche. C'est vendredi soir, putain c'est le week-end, ça fait du bien, c'est l'été, il fait une putain de chaleur quoi. Il fait chaud, il fait trop chaud, mais bon, allez on va se faire un petit instant nostalgique, pas de jeu d'horreur ce soir. Mais du rétro. Salut Ray! Ah, il manquait plus que toi, Ray. Je t'attendais. Allez, j'espère que vous allez bien. Danse le disco, ouais, je peux pas mettre debout. C'est ça qui est un peu con. Mais danser le disco, je pourrais. Allez, j'espère que vous allez bien. Ouais, donc ce soir, on va se faire un petit peu de rétro d'un jeu que j'ai acheté quand j'étais jeune, qui date du 31 juillet 1998. Je pensais qu'il était sorti en juin, mais c'est en juillet. Banjo-Kazooie. Et honnêtement, si vous aimez Mario 64, eh bien vous allez aimer Banjo-Kazooie. Parce que c'est un jeu qui est excellent. Allez, comment vas-tu Maca? Comment vas-tu Ray? Comment vas-tu Nicotine? Eh bien, ça va. Ça va nickel, dans 15 jours, 3 semaines de vacances, ça sent l'été. Ah, par contre, pendant mes 3 semaines de vacances, eh ben, il n'y aura pas de live, parce que voilà, je suis pas chez moi. Mais bon, ben, du moins 15 jours, on va dire. 15 jours de vacances, je ne serai pas chez moi. Mais bon, on va bien profiter de nos vacances. Je sens qu'il y en a qui sont... Ah, Mario 64, ouais, c'est clair. Mais je sais pas pourquoi tu pleures, si c'est parce que le jeu, il te manque, ou s'il était à chier. Mais dans tous les cas, ouais, Mario 64, ça a été quand même une tuerie. J'ai eu des indices sur le jeu hier. Ouais, toi, Ray, t'as eu de la chance parce que je t'ai donné des indices sur ton live. Il faut savoir que notre petit Ray commence à faire des lives. Voilà, c'est notre petit Padawan. Il commence à faire des lives. Allez, du coup, Banjo-Kazooie. Et vous allez voir que ça a son charme. Ça a son charme, sa vie. Et ça a son charme. Ah, il te manque. Bah, tu peux y rejouer.
c'est facile d'y rejouer. Allez, du coup, les gars, on va attaquer. Allez, on est parti, j'ai fait mes réglages. Non, normalement, tout devrait bien se passer. Alors, comme j'ai pas de boîtier de capture, je peux pas capturer le jeu. Puisque, de toute façon, déjà, j'ai plus ma Nintendo 64. J'ai le jeu, mais je l'ai plus, la Nintendo 64. Et en même temps, j'ai pas de boîtier de capture. Donc, du coup, effectivement, on va passer par un émulateur. Mais du coup, normalement, tout ce que j'ai calibré devrait fonctionner. J'ai fait ça avant-hier. Donc, du coup, j'avais tout préparé. Donc, logiquement, ça devrait marcher. Allez, on enlève ça, on enlève ça. On enlève l'image de ce bombajo avec la sorcière. Hop là. Et on attaque. C'est nul sur émulateur. Non, c'est pas nul, tu verras. Ça va bien rendre. Ah, j'ai pas de boîtier de capture en même temps. Donc du coup, je peux pas le capturer en même temps. Même ceux qui ont les consoles et tout, ils utilisent les émulateurs. Même Benzaï, si tu connais Benzaï, il émule. Il émule parce que c'est plus pratique. Allez, on ouvre. Et normalement, on va avoir l'introduction du jeu. C'est prévu, The Forest. C'est prévu. Alors, propriété. Non, c'est pas ça. Ah, attendez. Hop. Voilà. Je connaissais pas ce... Ah, tu le connaissais pareil, parce que tu connaissais Mario 64, mais tu connaissais pas Banjo-Kazooie. D'accord. Je pensais que tu connaîtrais, parce que généralement, il y a... Enfin, je dirais pas qu'il y a pas beaucoup de jeux qui ont marqué la Nintendo 64, mais celui-ci l'a marqué, donc... Allez, on regarde un petit peu les... Trop vite fait. Ah, j'ai configuré ma manette dessus. Sauf que la manette 64, c'est pas évident, parce qu'elle avait une façade à 6 boutons, une gâchette, un stick en bas, un bouton Z dessous. Et configurer ça sur une manette comme ça, avec 4 boutons et 4 boutons derrière, c'est pas évident, mais je pense que j'ai réussi à trouver un compromis. Donc en jouabilité, je devrais m'y retrouver. Alors certes, vous allez vous dire, putain, mais c'est rétro et tout. Mais qu'est-ce que c'est bon, sans déconner. Il faut se mettre à l'époque. 31 juillet 98. Vous allumez votre console, vous mettez votre cartouche. Vous avez ça. C'était de la 3D qui, à l'époque, était énorme, quoi. T'étais là. Oh, oh. Il fait pas. Ah, je croyais qu'il faisait. Et honnêtement, tout ce qu'on va voir est une claque pour l'époque. Allez, du coup, on va attaquer. On va se faire le tuto, forcément, je commence le jeu. Ce qu'on va essayer de se faire, c'est le début de l'aventure. On va essayer de se faire, je pense, 2-3 niveaux, 4 peut-être, si on avance bien. Du coup, bon, mais oui, c'est vraiment le début, quoi. Hein. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très très sympa. Bon, ça, il me dit d'accord, on attaque. Et du coup, vous allez voir l'histoire qu'elle est nunuche. Hein. Mais bon, c'est une histoire. C'est une histoire Nintendo. C'est les bonnes époques des jeux rares. Les jeux rares à l'époque étaient très très bons. C'est là que l'on aperçoit que le jeu vidéo augmente d'une manière exponentielle. Il augmente... C'est là qu'on se rend compte que la qualité diminue de manière exceptionnelle. Je dirais que, ouais... Ça se vaut les deux. Allez, gratte-toi le nez. Donc du coup, vous allez voir que bon, ça fait un peu référence. Ben là, c'est un petit peu la sorcière de... Comment ça s'appelle ? Magicien d'Oz, hein. En gros. Et forcément, il y a une fille qui est plus jolie qu'elle, donc ça mélange un petit peu avec Blanche-Neige, si je dis pas de bêtises. Il y a un petit peu de tout dans ce jeu. On verra qu'il a peut-être du Mario 64, mais qu'il a aussi sa propre identité. Les dialogues sont très sympas en bas.
le fait des rimes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux Nintendo ont toujours eu des quand ça parle. Et rare, on dit quand ils ont développé ce jeu que c'était pour que les personnages aient une vraie identité. Alors que je pense que c'était plutôt parce que sur la cartouche on pouvait pas rentrer de vrais dialogues. Mais bon, eux ils ont dit ça. C'était pour que chaque personnage ait une vraie identité avec des... Alors que c'est pas vrai quoi. Si c'est ça, elle veut devenir un super canon. Parce qu'en fait, l'ours avait les cheveux blancs et plus joli qu'elle. Bien que l'ours avait les cheveux blancs, elle est pas bonne. Honnêtement. Mais bon, la sorcière est jalouse de la sœur de Banjo. Qui d'ailleurs, dort avec une photo de sa sœur à côté du lit. Oh, salut Fuzzy. Ouais, ça va et toi? Il dort avec une photo de sa sœur à côté de son lit. Ça fait un petit peu inceste, moi, je trouve. Allez, du coup, elle va attaquer et enlever forcément la sœur de Banjo. On n'enlève pas la princesse de Mario, mais on enlève la sœur de Banjo. Et là, il vient de lui dire, est-ce qu'on dirait pas ton frère? Je crois qu'il est un petit peu aveugle, quoi, la top, hein. Comme quoi, on dit myope comme une top, hein. Ça ressemblait pas à un ours, quoi, hein, ce qui vole sur un balai. Tout dépend de ce qu'il fait avec cette photo, c'est clair. Bon, lui, il dort. Ah, vous allez voir que l'oiseau, à la base, il ne voulait pas dans le jeu. C'était pas prévu. Ouais, attendez-vous à ça, hein, dans les dialogues. Hein. Mais à l'époque, on avait ça. Nintendo a toujours eu du retard sur ses concurrents. Et du coup, ils n'étaient pas sur CD ou autre. Mais la Nintendo 64 a su quand même avoir un petit peu sa révolution, puisqu'elle a donné naissance à des jeux... voilà. Des jeux 3D qui ont peut-être justement amené les autres consoles à créer des jeux de cette manière-là. Donc la Nintendo 64 a un petit peu amené l'évolution aussi. Donc là, on va prendre vite fait le tuto. On va se le faire, hein, parce que bon, je démarre le jeu, on se le démarre vraiment en live. Hein, et après, on ira se faire les premiers mondes. Donc là, la top, elle charrie toujours l'oiseau. Voilà, donc là il lui dit que sa sœur a été enlevée et que la sorcière est descendue du ciel et l'a enlevée. Donc vous allez voir que la maison de la sorcière, elle est pas très loin de ma maison à moi. Donc à la limite, tu te demandes comment ça se fait que tu sais pas qu'il y a une sorcière qui vit à côté de toi, quoi. Elle est là. Et c'est sa tanière, mais putain, quand je me lève tous les matins, je la vois, quoi. Énorme. Tu devrais t'entraîner avant d'y aller parce que j'ai même pas encore eu la curiosité d'y aller. Hein. Bon, on va prendre les mouvements, vous allez voir, ça va être rapide. On va pas y passer des plombes dessus. J'accélère légèrement, explore les environs et cherche mes taupinières, marche à côté d'elle et appuie sur B pour m'appeler tout de suite. Allez, comme ça vous allez voir un petit peu les mouvements qu'il y a dessus. Je crois que j'aurais pu zapper en fait le tutoriel. Bon, c'est pas grave, ça va pas être long. Allez, elle va m'expliquer que je peux sauter. Dans les mouvements de caméra. Allez hop, bouton C. Ah, c'est galère parce que la Nintendo 64 avait des boutons, comme j'ai dit, de caméra placés différemment que sur une manette classique. C'est pas évident. Mais bon. Ah, il fonctionne plus ton OBS? Comment ça se fait? Voilà, donc du coup, le jeu permettait que, voilà, vous pouviez tourner la caméra autour du personnage. Ce qui était plutôt révolutionnaire à l'époque, faut pas croire. Y a beaucoup de jeux PlayStation qui étaient hyper buggés au niveau caméra. Mais la Nintendo 64, ça sortait vraiment très très bien à ce niveau-là. Allez hop. Il va me dire que je peux sauter. On va le faire. En fait, la manette était horrible. Ben, je serais pas de ton avis parce que la manette... Eh ben... Malgré sa composition, eh bien, elle avait une manière
de pouvoir bien jouer au jeu, je veux dire GoldenEye. On y a joué avec la manette 64. Va jouer à GoldenEye avec une manette comme ça, tu peux pas. J'ai essayé de configurer GoldenEye dessus, tu peux pas. Et elle avait quand même une manière... Voilà, à elle. Qu'est-ce qu'il m'a dit là de faire, ce con? Ah oui, il m'a dit de faire le super saut, non? Saute et appuie sur... Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, il faut que je suive, sinon on n'avancera pas. Reconnexion, j'ai essayé chaque solution. Ah putain, j'ai pas eu ce souci là, Fuzzy, je peux pas t'aider. Ah mais tu vas voir, Ray, après, bon là c'est le tuto, mais tu verras qu'on va avancer dans les niveaux. Et si tu aimes bien Mario 64, tu verras que les niveaux sont très très bien. Voilà, bon ça je m'en rappelle. J'essaye de lire vite fait le tuto là, entraîne-toi, voilà, bon ok, il me dit m'entraîner. Ah du coup je mets toujours la caméra légèrement plus éloignée. Donc là, voilà. On a toujours l'oiseau un petit peu qui, voilà, qui nous permet de légèrement voler. Alors ce qu'il faut savoir c'est que à la base, Rare ne voulait pas créer un jeu avec un ours. Ouais mais tu trouveras bien, regarde bien sur Google. À la base ils voulaient pas un jeu. Avec un ours, ils avaient prévu de faire un jeu sur Nintendo 64 après Donkey Kong. Et du coup, après, quand la Nintendo 64 était en approche de sortir, leur jeu était tellement important qu'ils ont voulu en faire un autre. Enfin, ils ont voulu le sortir sur Nintendo 64. Et Nintendo a voulu que ça soit un jeu un petit peu plus adulte, un peu plus enfant, pardon. Et donc, du coup, ils ont créé, Banjo avec un ours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'oiseau qu'il y a dans le sac... À la base, quand ils ont créé Banjo, il avait un sac à dos. Et en fait, logiquement, il devait juste avoir des ailes qui sortaient de l'oiseau, du sac. Et ensuite, il devait avoir plein de choses qui devaient sortir du sac. Et au fur et à mesure, ils ont dit, ben, on va mettre un oiseau dedans. Voilà, mais à la base, c'était vraiment pas un oiseau qu'il devait y avoir. Donc du coup, allez, on va aller un petit peu nager. Parce que voilà, ça vous apprend un petit peu le tuto pour aller, voilà, sous l'eau. Voilà. Sinon votre journée, ben ma journée boulot. Voilà. J'ai fini ma journée pareil, classique, journée travail. J'étais dans Excel toute la journée. Alors je vous dis pas, j'ai les yeux explosés. Mais ça va. Du coup, je crois que ça on l'a fait. Non, on l'a pas fait ça. Il va nous expliquer comment casser des rochers. On va le faire de suite. Hop là. T'as reçu ton diplôme de fin d'année. C'est bien ça. Le diplôme, c'était dans le bâtiment, non, c'est ça? Non, attends, c'est dans quel diplôme que t'as eu, toi, Fuzzy? Ah oui, donc là, ça m'explique que je peux, voilà, avec mon oiseau, faire des attaques comme ça. Voilà. Tac. Et tac. Allez, impec. Ah, t'as fait du live toute la journée, Ray? Alors, t'as eu des viewers ou quoi? Est-ce que t'as eu des viewers dans la journée? Ah, je crois que si je monte peut-être là-haut, j'aurai quelque chose, hein. On va aller voir. Ouais, fini l'école, mais j'ai fait une année en plus pour avoir d'autres diplômes de gestion. D'accord. Ah non, là, c'est pour aller chez la sorcière. On va direct aller finir le tuto. Il me reste deux tutos et après, on attaque le jeu vraiment, véritablement. Je crois que là, il va m'expliquer un truc aussi. Maintiens Z, appuie sur B pour faire la... Ah oui, ça, je l'ai fait. On s'en fout. C'est là où il y avait les rochers. Ouais, 2 et 1 follow. Mais c'est déjà bien, Ray. Ça commence. Allez, on va attaquer les oignons et les carottes. Et après, on va attaquer dans le vif du sujet. Oh.
Et j'ai mis Wazobot sur mon live. C'est quoi Wazobot? Allez hop, voilà. On va attaquer la carotte avec nos poings. Mais honnêtement... Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, attendez, je repère le bouton déjà pour attaquer. Ouais, c'est celui-là. Mais le problème, c'est qu'il peut pas attaquer quand il court. C'est ça. Il peut attaquer que quand il est un petit peu statique. C'est-à-dire qu'il faut pas trop aller vite. Ah, le modérateur auto, d'accord. Alors, on va attaquer cette carotte de merde, là. Voilà. Ah oui, la roulade de la mort, ça je peux le faire en courant. Les principes de gameplay sont hyper simples, c'est vraiment comme... hop là, comme Mario, hein. Vous allez pas chercher loin, hein. Allez, encore un, on s'en fout. Ouais, j'ai vu, et puis ça te dit quand tu as des viewers, normalement, je crois. Et ça te dit aussi quand tu as un follow. C'est automatique, ouais, j'ai vu des gens sur Twitch qui l'utilisent. Allez, on va faire le dernier attaque, hein. Avec l'oiseau, donc on peut attaquer avec le bec, comme ça. Voilà, donc suivant les ennemis, ça peut être utile. Allez, il m'en fait un deuxième, hein. Ah, par contre, j'espère que vous entendez le son de la musique, parce que... tout va être aussi dans le son de la musique dans ce jeu, parce que la musique, vous allez voir qu'elle est... elle est excellente. Allez, impec. Je pense qu'on a fait tous les tutos. On va aller voir en bas, là. Ah, il en reste encore un. Déplace la caméra à l'aide des boutons C et maintien R pour déplacer... D'accord. Ok. Alors ça c'était dans la sur la manette 64, mais c'est le truc que là je vais avoir un petit peu de mal. Ok, donc je pense qu'on est bon là, on devrait avoir voilà, il m'a mis un petit peu d'ennemis pour que je m'entraîne, hein. Et on va monter un petit peu chez la sorcière. Hop, on va monter par là. Nouveau émoticône. Putain, tu l'as eu où ce niveau, cet émoticône? Ouais, donc si je dis que le jeu est bien dans le son est bien dans le jeu, c'est parce que vous allez voir que quand on est dans l'eau... on va casser le nez de la sorcière et sauver Tutti. Oh merde, putain, il me manque encore un truc. Oh le con. Ah, il manque un truc. Ah, on perd de l'énergie quand on tombe de l'eau. Putain, j'aurais dû zapper le tuto, quoi. Bon, ça, on l'a fait, je crois. Hein, quand il m'a dit de sauter, on l'a fait. On va chercher. Là, il m'a dit de nager, on l'a fait. Alors, on va monter là-haut, là-bas. Je suis pas allé là-bas, je pense. Ah, on a une vie, là. Ok, ça on l'a pas fait là. Allez, dis-moi ce qu'il y a à faire, hein, qu'on avance. Hein. Ah d'accord, ça me dit que je peux monter sur un arme, quoi.
Ah bah putain, tout ça pour me dire que je peux grimper à un putain d'arbre quoi. C'est ça? Ouais, youhou. Ah bah c'est génial. J'ai appris que je pouvais grimper aux arbres. Allez, on est parti. On va pouvoir entrer dans le château. Ouais, et donc les musiques changent quand on va dans l'eau. Et c'est ça que j'adore dans ce jeu. C'est un petit peu l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est bon. Tu me dis que je peux y aller. Allez, un petit coup de soda. Miu miu, piu piu, viu viu. Ouais, c'est ça. Putain. J'ai les mains qui glissent. Et bon. Ah putain, il va être encore à l'intérieur pour nous casser les burnes quoi. La top. Allez, rentrons un petit peu dans le château et regardez la musique qui change. Hein. C'est excellent. Je peux vous dire que le côté musical du jeu y est pour beaucoup. Dans notre expérience qu'on avait quand on jouait à l'époque, quoi. Regardez bien que la sorcière le fait toujours des rimes. Hein. René la top, ouais, c'est ça. Maîtresse, mise en marche, c'est parti. Et c'est la mouche. Je sais pas si vous avez vu le film La Mouche. C'est un peu ça, hein. Non mais faut pas croire, hein. Le côté de ce jeu a beaucoup de références. Ok. Allez, donc là, vous dites, ah ouais, c'est un tableau comme dans Mario, on peut y rentrer. Ben non. Du coup, je sais plus où c'est qu'il faut qu'on aille, si c'est à gauche ou à droite. On va aller là. Bon, mais ça c'est le premier niveau, voilà. La montagne, normalement c'est le niveau qu'on devrait pouvoir atteindre. Et regardez la musique. On va revenir là. Donc ça, c'est le thème principal de la, on va dire, du donjon de la sorcière. Mais dès que vous allez vous approcher d'un niveau, c'est-à-dire un niveau où vous allez rentrer, la musique, regardez comment elle change. Voilà, et là ça vous dit que vous allez avoir un niveau, voilà. Bon, il manque une pièce de puzzle en fait, il faut que je la trouve. Avec des pièces de puzzle. Donc c'est pas comme dans Mario, vous allez rentrer dans le tableau, vous devez chercher des clés, vous devez trouver des pièces de puzzle dans chaque niveau du jeu pour ouvrir d'autres puzzles. En fait, d'autres tableaux. Bon, elle doit pas être loin la pièce. Hein. Voilà, je suis près de l'entrée forcément. La pièce elle est pas en haut. Non, je sais plus. On va aller voir. Elle doit pas être loin la pièce. Elle est là-haut. Voilà. Le jeu vous guide bien au début. Allez, on prend la pièce. Le puzzle va vite checker un tableau avec ma pièce. Voilà. Voilà, c'est là où il fait. Allez, on a notre pièce. Et à partir de maintenant, on va rentrer dans le niveau. Petit oiseau, laisse-le tomber. Ton sac, je vais bientôt porter. Très bien, pour remplir l'espace vide, appuie sur A. Pour ne pas utiliser, appuie sur B. Mais de toute façon, là, on va l'utiliser. Alors, ça ressemble à Mario, hein. Je suis d'accord. Mais, voilà, c'est des pièces de puzzle à trouver. Et contrairement à Mario, dans Mario, vous sélectionnez vos étoiles pour aller chercher des missions spécifiques. Dans celui-ci, vous allez voir que tu rentres dans le niveau.
Voilà. Et t'as tout qui est ouvert. Dans Mario, vous choisissez une étoile avec une mission. Là, non. Il va falloir que vous vous baladiez dans le monde pour trouver les pièces de puzzle, en fait. Tout est open direct. Hop, lui. Voilà, direct. Et du coup, vous baladez. Et vous allez essayer de trouver un petit peu, voilà. Alors, les notes de musique, hein, ça va nous permettre, je crois, d'avoir une pièce de puzzle supplémentaire. Hein. Si on les récolte tous, je crois. Oh putain, il va falloir vraiment que j'arrive à gérer ma caméra. Allez hop, on récupère ça pour soigner. Alors le taureau, je sais plus comment on l'a. On peut pas l'avoir comme ça. Il y a une astuce pour avoir ce putain de taureau. Et du coup dans le jeu, dans le niveau, vous allez tomber par exemple sur ça. Pas touche arbre. Oh putain, il m'a fait mal. Voilà, donc là il dit qu'il faut pas toucher à son arbre. Hein. Et du coup, vous allez chercher comment, un petit peu, avoir cette espèce d'influent. Et là, il va m'expliquer, lui. Il va me dire qu'il veut une orange. Et donc, du coup, il va falloir que je trouve une orange que je lui donne. Et après, je vais accéder à comment arriver à tuer ce gros singe. Donc, en fait, les niveaux sont basés de petites énigmes, comme ça. Vous allez devoir un petit peu trouver comment avancer dans le niveau. Donc là, pour l'instant, on peut pas. Donc du coup, on va grimper. Ah, il y a des fourmis. Merde, tape là. Il est con ou quoi? Et les fourmis, c'est une mission spéciale aussi pour avoir, normalement, une pièce de puzzle. On va récupérer le miel pour se soigner. Et là, on va rentrer dans le truc à fourmis. Les ours sont interdits ici. Donc apparemment, les fourmis, elles aiment pas trop que je sois là. Donc du coup, on reviendra plus tard. Et vous allez voir comment. Oh, salut Métis, comment vas-tu? Parce que c'est pareil, la mission de la fourmi, vous savez pas comment il faut la faire, hein. Mais il faut se balader pour trouver. Bon, déjà là, j'ai une pièce de puzzle. Le turbo spin permettra à Kazooie d'escalader certaines pentes. Maintiens le bouton Z et appuie sur C gauche et dirige ensuite Kazooie. D'accord, C gauche. Faut que je sache où j'ai mis mon C gauche, moi. Voilà, c'est ça. Non, il est là. D'accord. Ok. Allez, on récupère celle-là. Ok, bon, celle-là, elle était pas dure. Hein. Ah ben tiens, si tu le regardes, Métis, ouais, dis-nous qui c'est qui gagne. Ça nous intéresse, parce que là, on n'est pas en train de le regarder. Mais toutefois, si on peut savoir où ça en est, le match, n'hésite pas à nous le dire. Ah oui, donc là, ça m'a expliqué que si je faisais... Voilà, comme ça, on a pu grimper. Bon, je vais récupérer ça parce que toutefois, ça pourra me servir. Qui c'est lui? Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent eux déjà?
T'aimes pas le foot féminin? Et t'es un petit macho, toi, métis. Libère-nous et t'auras une pièce de puzzle. D'accord, donc ça, c'est une pièce de puzzle supplémentaire. Ok. Alors, par contre, il faut que je trouve comment tourner ma caméra. D'accord. On va essayer de faire comme ça. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on a. Il y a 0-0? D'accord. Donc là, on a eu le gros singe en bas. Il nous a rien rapporté. On va aller se chercher les notes. On va se le récupérer lui aussi, à y être. Hein. Si je regarde le foot féminin, c'est pour mater. Ah, j'ai même pas vu si elles étaient bonnes, honnêtement. Je sais même pas quoi elles ressemblent. J'entends la radio, un petit peu ce que ça dit sur elles, mais après, je sais même pas si... si elles sont mignonnettes, hein. Ah, mais j'avais pas récupéré cela. Alors, logiquement, on devrait pouvoir grimper là-haut. Voilà. Tu as récupéré suffisamment de notes pour ouvrir la première porte numérotée. D'accord, il y a des portes numérotées dans le niveau. Je m'en rappelais plus de ça. Dégage-toi. Ce soir, c'est du live spécial rétro, métis sûrement dimanche. Ou la semaine prochaine. Ah, Driver, oui, dans la semaine. Driver, c'est plutôt un jeu que je fais dans la semaine, comme ça. Là, on va dire que c'est plutôt, voilà, des lives un petit peu, voilà, spécial. Le week-end, je fais des lives un petit peu spécial. Hop, là, on va faire un super saut. Je peux pas? Non, non, on rentre pas dans la maison, pas encore. Oh, pourquoi il peut pas y aller, là-haut? Ah, merde. Ah, si. Allez, deux pièces de puzzle. Comme ça, on pourra ouvrir un tableau plus tard. L'écran en bas, il dit ce quoi? Alors, vous allez voir que dans cette maison de crâne, on va pouvoir faire la mission de la fourmi. Et je sais pas si vous regardez les fonds de l'affaire sur jeuxvideo.com. Et il apporte une explication à ce que le mec il dit quand il fait il capoca et quand il me transforme. Non, là, il va me transformer en fourmi, vous allez voir. Ah, j'espère que t'as préparé tes couches pampers demain pour Ray, c'est clair, parce que la prison ça fait flipper là d'amnésia. Donc du coup, apparemment, il lui faut 5 crânes pour me transformer, je suppose. Et quand j'aurai les 5 crânes, je me transformerai en fourmi. D'accord. Pas de souci, on va aller les chercher. Donc vous voyez, tout le niveau de chaque jeu est vraiment calibré pour que vous le fouillez à fond, quoi. Alors que les Mario, vous prenez une étoile et vous allez faire votre mission étoile et récupérer des pièces rouges. Auquel cas, ou des pièces... Mais après... Celui-là, on va dire qu'il est peut-être un petit peu plus... pas difficile, mais plus recherche. Eh ben, il faut trouver des crânes. Eh ben, on va se balader. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? Peut-être dans l'eau. On va aller voir. Alors, regardez bien, quand je vais aller dans l'eau... Vous allez voir comme la musique le va changer. C'est excellent. J'adore.
voyez ? Rien que ça, ça paraît pas. Mais une partie de la magie du jeu vient de là. Alors, j'essaye de choper voilà, la dernière note là. Oh ! Putain, hé, je passe à travers ou quoi ? Ah, merci. On va remonter et on va choper les trois dernières en bas. Voilà. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Elle a l'air très bonne, la bande de son. Ah oui, la musique dans l'eau est très très chouette. Ouais. La musique dans l'eau est vraiment très très chouette. Moi aussi, c'est les moments que je préfère dans le jeu. Ah, mais il y a un petit copain là-bas. On va le récupérer. Il m'en manque combien ? Deux ? Est-ce qu'il peut monter là ? Non, il peut pas monter, il faut traverser le pont. Allez, on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Hein. On a le singe là-bas, ça m'a dit d'aller récupérer une orange. Ah, peut-être que le petit singe, quand il dit orange, il veut parler peut-être des... du gros singe. Ah oui, je me rappelle le gros singe ce qu'il faut faire. Il faut attendre qu'il tire. Merde. Voilà. Un. Deux. Voilà, trois. Voilà, il y avait une sorte de casse-tête très facile. Mais ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Oh putain, il va me jeter un truc sur la gueule. J'ai même pas le temps de vapoter. Ah, est-ce qu'il faut que le petit singe, je fasse en sorte qu'il balance une orange là. Ah voilà, c'est ça. Je récupère une orange, je vais lui donner. Tiens. T'es content? Tu t'en vas, Fuzzy? Allez, bonne soirée à toi, Fuzzy. Merci d'être passé. Et le taureau, tu dois sauter dessus et taper. D'accord, on va faire ça après. Mais voilà. Monte dans l'arbre. Ouais, mais c'est bon, ouais, j'ai vu. Voilà, tu vois, on les récupère facilement, les trucs. Par contre, après les œufs, ça va nous permettre de déquiller le singe, si je me rappelle bien. Par contre, je sais plus comment on atteint les œufs. Est-ce que il me faut peut-être un... On va faire un super saut. Voilà. On va récupérer les œufs. Et après, on peut les jeter à la manière de Yoshi. Et lui, je crois qu'il va me le dire, d'ailleurs. La technique des œufs. Ah, c'est haut et c'est bas. On va essayer parce que je sais plus où est mon CO et mon CBA sur la manette, mais on va voir. Ah, il me donne 50 œufs pour m'entraîner. Ben, ça tombe bien parce que j'en aurais besoin. D'accord, là il jette en avant. Et là il jette en arrière. Ok. Oh,
Ah mais super, on récupère un deuxième crâne. Et comment on fait pour viser le... Je peux pas le viser comme ça là? Je pensais que je pourrais le viser. Parce que faire ça, ok. Pas de soucis. Ah, je vais aller peut-être là. Merde, remets-toi là. Voilà. Oh merde! Putain, le con! Oh! Il me fait chier lui. Oh! Merde, quel abruti! Et je pensais qu'il fallait lui jeter un œuf sur la gueule, hein, et en fait, il faut lui en jeter plusieurs. On va essayer de faire attention parce que ma santé est pas très bonne. Hein. Demain, je vais peut-être live dans la soirée comme hier sur The Crew. N'hésitez pas à passer me voir. Ouais, ça marche, Ray. Pas de soucis. Ma vie pour une pelle. Pour une pelle, pourquoi? Ah, ça y est, on l'a eu. Eh, putain. Allez, donne-moi ton prix. Super, on a gagné une autre pièce de puzzle. Ah, pour la... D'accord, pour la top, ok. Allez, super. Les pièces de puzzle, on en a 5. On a... Oh merde, putain. Mais je t'ai eu, enfoiré. Pourquoi tu me rejettes des oranges? J'ai même pas le temps de boire un coup, quoi. Pas possible, ça. Même pas le temps de reposer ce putain de singe. Ah, tu disais il faut sauter et taper. D'accord. Oh merde. Loupé. Alors Banjo, t'en as assez, rentre chez toi et laisse tomber. Ça fait chier ça là avec ses rimes. Ça c'est les rimes que j'aime pas ça. Ouais, ou les voix de Star Fox, pour ceux qui ont joué Star Wing. D'accord, on a compris. Trois nouveaux mouvements spéciaux sont à découvrir dans... Putain, mais il y en a des mouvements spéciaux. Bon, les notes de musique, ça sera peut-être pas ce qu'on essaiera de choper ce soir, hein. Oh merde! Putain, il m'a même pas laissé le temps de... D'accord. Ah, il doit y avoir peut-être un mouvement qui manque, non? Oh, c'est enfoiré, là. Parce que là, d'accord, je te fais tomber... Là, je peux pas le taper, là. Il doit manquer un truc. Achève quand il est... Ouais, mais je l'achève comment? Parce qu'après, même si j'y tape dessus, je rebondis, en fait. Bon, on va aller voir un petit peu, peut-être plus haut. Là, il n'y a rien. Ah si, il y a un crâne. 3. Et il nous manque 2 crânes et on pourra peut-être faire la mission avec la fourmi.
Là-bas, on a le singe. Hein. Non, mais c'est pas vrai, il faut que je relibère les enfoirés, là. Oh, cette haine. Il me manque deux crânes. Où c'est qu'ils peuvent être, ces crânes? On va aller voir là-bas. Je crois qu'il y a un endroit où je suis pas allé. Peut-être. Mais déjà, un crâne. Les sauvegardes, si, il y a une sauvegarde. Ma sauvegarde auto, je fais ça. Fichier. Et sauvegarde rapide. Hop, et voilà. Il y a une sauvegarde. Mais là, bon, je le fais pas parce que c'est vraiment voilà, une partie pour découvrir un petit peu le jeu. Ah merde, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Hop là. Hop là, t'excites pas, Banjo. Ah merde, putain, il est pas arrivé, ce con. Oh putain, ah mais il peut aller par là. On va se faire chier. On va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Ah, c'est les fourmis aussi. Là, c'est la tanière du truc. Putain, il manque un crâne. Est-ce qu'il n'y aurait pas un crâne dans les crânes, enfin dans le totem? Il y a un truc... Je crois pas qu'il y ait des crânes, là. On va casser ça. Il m'a dit quoi, lui, déjà? Voici l'attaque du bec d'assaut. Appuie sur Z pour que Banjo écrase le sol. Et vital, d'accord. D'accord. Bon ben ça, ça rappelle Mario 64 quand il saute qui fait. Hop, voilà. Ça oui. Ça c'est clair que... C'est la même donne. Bon, il doit me manquer un crâne. Alors, est-ce que toutefois, il serait peut-être pas dans la tanière de la fourmi? Si. Il est là. Mais en fait, ce que vous remarquez, c'est que voilà, dans la tanière de la fourmi, vous voyez, vous n'arrivez pas à grimper. Alors, on va essayer de faire... Voilà. On l'a récupéré. Et on va aller se changer en fourmi. Et du coup, on pourra grimper dans la tanière de la fourmi en se faisant passer pour une fourmi. Tranquillou. Hop, dégage-toi. Alors, justement, ce que je disais par rapport à quand il va nous transformer en fourmi. Vous allez voir. Marche sur le crâne et appuie sur B. La magie de Mambo. Voilà. Donc Mambo, il me transforme en animal. Ce qui est plutôt original aussi par rapport à Mario 64. Parce que je crois pas qu'on nous change en âne. En quoi que ce soit dans Mario 64. Vous allez voir. Et là, j'appuie sur B. Et écoutez ce qu'il dit. Voilà. Et bien là, ce qu'il dit... Désolé, je vais crever. Je suis crevé demain. Je me repose. C'est plus longtemps sur la misère. Il n'y a pas de souci, Ray. Va te reposer. Et donc, du coup, je transforme en fourmi. Et quand il fait sa... Il dit sa transformation, en fait... alors, ça, c'est dans le... Le fond de l'affaire. Hein. Il dit ça. Par rapport au jeu. Il dit qu'en fait, le mec qui fait le doubleur du... Du magicien là,
En fait, le doubleur, quand il est venu faire la prise, il avait mal aux couilles. Il avait mal aux testicules. Et du coup, en fait, si vous mettez à l'envers ce qu'il dit pendant le tour de magie, ben ça dit, je crois, mal aux couilles ou testicules, ou je sais pas. Et parce qu'il avait mal, et en fait, il a trouvé ça rigolo de le mettre, et du coup, ils l'ont mis à l'envers, le mot. Et en fait, voilà, je me fais transformer en fourmi, avec un mot qui dit couille, ou testicule. Ouais, bonne nuit, Ray, fais de beaux rêves. Et n'oublie pas les couches demain. Donc là, vous voyez que là, en fourmi, eh bien, je tiens. Donc là, on a une petite phase, un petit peu, on va dire, plateforme. Je pense qu'il va être galère à un certain moment. Voilà, comme là. No stress, on va y arriver. Et toi, où as-tu pris ce short? Eh, parce que j'ai un short et un sac sur le dos. Et les fourmis, ça leur paraît un petit peu bizarre. Après, la jouabilité est complètement différente. Super. Est arrivé. Voilà, vous avez des notes de musique à récupérer. Donne-moi ton sac ou sinon... Putain, le sommet là, c'est des racailles, les fourmis, en fait. C'est des petites racailles. On va y arriver. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Ah, mais elle me fait mal, en plus. Tout ça parce qu'elle est plus grande que moi. C'est bon, on est arrivé en haut. On a une vie. Pas plus mal. Et on va grimper au sommet. Hop là. Et on a eu 6 pièces. Voilà, nickel. Alors, on va pas tomber de haut parce qu'on risque de crever. Alerte aux raquettes. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est les petites racailles, les fourmis, en fait. Ah, par contre, vous voyez là, on a fait ça. Et honnêtement, les 4 autres puzzles. Je sais pas où. Merde. Je sais pas où ils sont. Il en manque 4 quand même. Hein. Il y en a 10 par niveau. Hein. Oh, oh, oh. La loi du plus fort, quoi. Le plus grand mange le plus petit. Nous juju totem de mambo. Nous... Ah, je vais jeter des œufs dedans. Nous manger pierre bleue. Vous voyez, il me dit qu'il mange des œufs, en fait. On va y jeter des œufs dedans. On va se retransformer. Nickel. Allez. Allons-y. Allons jeter des œufs dans le totem. Et on va avoir une pièce de plus. Alors par contre, comment on jette les œufs dans les 3 têtes? Parce qu'elles sont un petit peu hautes. Non, c'est pas ça. Il faut que je mette en face. Hein. Pas évident avec la caméra parce que, comme je dis, la configuration des boutons n'est pas au top. Oh, tu l'as loupé? On va attendre. Putain. Wow! Putain, c'est même pas allé dans sa gueule, quoi. Ah putain, la honte, quoi. Ah, pas évident, là.
Ah, il a pas pris. Mais pourquoi il a pas pris ce con? Pourquoi tu m'as pas pris ton œuf dans la gueule, Chrono? Non mais c'est un truc de fou. Merde, putain, je me trompe de bouton. Mal au couille ou mal au couille, change-toi. C'est ça. Après, je sais plus quelle transformation il le dit. Hein. Peut-être il le dit quand tu transformes en ours ou quand tu transformes en fourmi. Et apparemment. On va essayer un coup, voir. Hein. Balancer la sauce, là. C'est une blague, hein. Merde alors. Ça me trouve le sgeg. Ça me trouve pas le cul, mais ça me trouve le sgeg, quoi. Merde. Je vais essayer vraiment devant sa gueule, voir. Non. Merde alors. Ah, il doit avoir un truc, mais je m'en rappelle plus. Allez, c'est pas grave, hein. Donc il reste quoi en pièce de puzzle? Il en reste 3, si je dis pas de bêtises. Donc 4. Il y a sûrement les zigotos à libérer. Ça fait 7. Les pièces peut-être, enfin les notes de musique, ça fait 8. Il en manque que 2. Que je sais pas d'où elles sont. Allez, le but du jeu, c'est qu'on essaie d'avancer un peu dessus quand même. On va juste faire ça. Et on va voir si on peut libérer un autre tableau. Alors, je vous le donne en 1000. Quel est le thème du prochain niveau? Est-ce que vous allez le deviner? Dites-le moi. Pour voir si vous allez deviner. Je réduisais mon portable. Le temps que vous mettiez vos réponses. Non, pas le désert. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein. Je parle vraiment avec mes souvenirs. Non, c'est pas le désert. Ah, mais là vous voyez, il faut déjà faire le premier niveau pour apprendre la technique pour monter. Du coup, tu montes. Ouais, il sort de Grunty. Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique. Oh merde, putain, le con! Putain, il en faut 50. D'accord. Oh merde alors! Bon, c'est pas beaucoup 50 pièces, hein. On va vite les récupérer. Mais ouais. Ni la jungle, ni la neige. Alors, les niveaux que vous dites, ils y sont, hein. C'est clair. On va récupérer 50 pièces. 50 notes. On va le faire de suite. Ça va pas être trop long. Et dès qu'on a les 50, on crève pas, on sort du niveau. Je pense. Il y a un petit clipping quand même, hein, sur le jeu. Allez. 50 notes de musique. Ah, je me rappelais plus que les notes de musique. Vous voyez, le jeu, il vous force quand même à vraiment tout récupérer. Hein.
La baie, qu'est-ce que t'appelles la baie? Bon, bah, toi, je te récupère, hein. Je m'en fous un peu là, honnêtement. Hop là! Vous voyez les 50, on va vite les avoir. Oh merde! Putain, le con! En plus, celles-là, elles sont faciles à avoir. Ah, la baie au trésor! D'accord. Mais on verra. On verra parce que je pense savoir lequel c'est. Mais on verra si mes souvenirs sont bons. Et je pense que tu as la bonne réponse. Ah, il faut toujours mettre un petit peu la vue éloignée en fait. Parce que c'est celle que vous utilisez le plus pour y voir le plus loin. On va tenter de récupérer. Hein. Voilà, on a 50. Hop, vite, barrons-nous avant qu'il nous jette une orange dans la gueule, celui-là. Bon, j'ai mes 50 pièces, je vais faire une sauvegarde rapide. On sait jamais. Et on va... Combien? 1-0 pour la France? Eh ben putain, ceux qui auront misé sur la France, en Paris, ils vont se faire du blé. Hein, parce qu'ils étaient cotés à 3, hein. Elles étaient cotées à 3. Oh, salut Papix! Ça y est, Papix est là. Papix est là. Comment vas-tu, Papix? Bon, elles étaient cotées à 3, hein. Donc, si vous avez misé sur la France, vous allez vous faire du blé. Hein. Parce que l'Allemagne était favori. Hein. Non, logiquement, j'ai 50 notes, là. Est-ce qu'il me les garde? Ouais. Et j'en ai même 65. Cool. De retour de Croatie depuis... Ah, depuis 10 minutes. Alors, c'était comment la Croatie? C'était bien? Tu t'es régalé? C'est vrai que tu partais en vacances. C'est pour ça que je te voyais plus. Tu l'avais dit l'autre fois. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir le prochain niveau qu'on va se faire. Hein. Dégage-toi. Je pense qu'il doit être en bas. Non, il est pas en bas. Papa, 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 papa. Je suis bronzé, je reviens dans le nord. Ça... Hey, tu m'étonnes. Il faisait beau alors, t'as eu beau temps. Hein? Mais il est là le prochain niveau, regardez. Et bravo Mac, c'est ça. La baie au trésor ou Treasure Truth Cove. Oh, mais tu me poses pas tes... Ouais, mais là on les veut là. Les pièces. Et par contre, regardez. Regardez bien. Il y a un coffre qui s'est ouvert. D'accord? Mais dans ce jeu, là où c'est vicieux, c'est que... Il est où le coffre? Eh bien, il faut le chercher. Pas dans le sud à 34. Putain, il fait chaud aussi chez nous. Hein. 34 à Croatie. Et la mer bleue turquoise, t'as dû te régaler, Papix. Nous, en tout cas, il fait chaud même chez nous. Hein. Nicotine, t'as 34. Je dois pas être loin des 34 aussi. Hein, à Carcassonne, c'est clair. Il fait très chaud. Tu es d'où, Papix, déjà? Putain, je sais plus s'il faut aller en haut pour trouver le trésor. Je crois qu'il faut aller en haut. Respectez-moi. Pourquoi tu dis ça, Mac? Respectez-moi. Ah, parce que t'as trouvé peut-être le prochain niveau.
Par contre, il faut trouver le trésor, hein. Le coffre à trésor. Hein. On n'a pas gagné. Hein. 180 notes, il faut là. Non, le coffre à trésor, il n'est pas là. Je crois qu'il est là. Ah, écoutez la musique. Et j'ai des... Et franchement, ça prouve que j'ai vachement joué à ce jeu. Parce que ça revient. Il est là. Voilà. Non, même quand vous débloquez une pièce de puzzle, ben vous allez chercher. Par contre, en haut, il y a des plumes rouges. Et les plumes rouges nous serviront, je crois, un peu comme dans Mario, à voler. On va les récupérer, comme ça on les aura. Écoutez la musique. Eh, c'est excellent, franchement, c'est trop bon. La semaine prochaine, ça va taper. Ouais, j'ai vu que la semaine prochaine... Ah, celui de d'été de Calais, d'accord, ouais, donc il fait pas la même température. Ah ben, ce soir, c'était un live spécial rétro. Puisque c'est un jeu que j'ai sur Nintendo 64, que j'avais acheté à l'époque. Que j'avais d'ailleurs, pour me le payer le jeu, j'avais travaillé dans un champ pendant 2 jours pour me faire 500 francs et me payer le jeu. J'ai sué pour arracher des racines d'un champ qui était labouré pour me payer le jeu. Donc, je m'en rappelle. Allez, dans le coffre. Et on va attaquer le prochain niveau. Accordéon, ouais. Après, il n'y a rien à dire sur le côté un petit peu magie du jeu univers. Honnêtement, à part peut-être si je sors un jeu récent, les Mario Galaxy, j'ai très peu de jeux qui m'ont fait voyager autant que cela. Maintenant, je parle vraiment des jeux récents. Ah, c'est clair, si on pouvait retourner dans les frames. Bon, maintenant on pourrait pas parce qu'on avait l'inflation, on serait pauvre, mais ça vaudrait le coup d'y retourner, ça c'est clair, on était plus riche avant. Allez, du coup, on va voir un petit peu ce que le niveau a. Ah, d'accord. Faut faire quoi? Faut y rentrer dans le cul et lui taper peut-être, hein. Voilà. Putain de crabe. Bon, là pareil, hein, on va se balader, on va essayer de trouver un petit peu ce qu'il y a à faire. Hop, petit texto, pardon, excusez-moi. Allez, on est parti. Alors, normalement, je crois que le crabe là-bas, il a quelque chose à nous faire faire. Ça, le demander poliment. S'il vous plaît, monsieur le gros crabe, on peut se balader sur votre plage. Pourtant, on a été poli, hein. Tu cherches le coin. L'oiseau a toujours un petit peu le côté un petit peu grande gueule. Allez hop, lui on l'a eu, on va y récupérer son miel. Ah, par contre, ce putain de crabe, je sais plus ce qu'il faut y faire. Ceci est un disque de super saut. Trouve-moi et je te dirai comment faire. Ah, d'accord. Ah, je sais pas s'il y a pas... Ah, il y a un crâne déjà, là. On a rien à faire dessus, là. On va peut-être y jeter des œufs, alors. Je dis ça comme ça. Fais du surimi, on va essayer. On va essayer de faire du surimi. Alors, attendez. Je retrouve. Putain, chaque fois je me trompe de bouton. Vos œufs ne servent à rien. Contre Nipper. D'accord. Alors, Nipper, comment je te.
compte pas. Je me rappelle plus ni peur comment je fais. Ah si, ça y est. Ça me revient. Ça me revient. Je crois que je vais y sauter sur la carapace. Oh, tu vas grimper sur la carapace ou quoi? Oh, mais t'es arrivé tout à l'heure. J'étais peut-être plus loin en fait. J'étais là. Mais merde, il me l'a fait tout à l'heure. Putain, j'aurais dû le faire quand j'y étais. Putain, j'y crois pas, il grimpe plus ce con. Ah, voilà. Ah non. Merde. Ah, peut-être sur la tête, hein. Merde. J'aurais pensé qu'on y sautait sur la carapace. J'aurais pensé, mais c'est pas ça. Bon, on est un peu comme un con. Si vous savez comment on fait, dites-le moi. On va récupérer ça. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le bateau. Puisque là, on a un bateau un petit peu... pas très grand, hein. Ça manque un petit peu de grandeur, peut-être, les niveaux. Je reconnais. Ah, il va m'expliquer, là. On va pouvoir voler. Je saute sur les pinces ou je tire avec les œufs sur les pinces? Ah, il me soigne, il est gentil. D'accord. Donc ça me fait faire des super sauts. Merde. Bravo, bien joué. Ah, est-ce que tu as joué Papix, toi, à ce jeu? T'as dû y jouer, toi. Enfin, si t'as eu Nintendo 64. Ou peut-être sur Xbox Live. Merde. Je me suis mal pris. Parce qu'il avait ressorti sur Xbox Live. Quand Rare est passé du côté de Microsoft. Je crois qu'ils l'ont ressorti sur le Xbox Live. Sauf que Rare, quand ils sont passés du... Oh! Alors attends, il faut que je repiche le coup. Quand Rare est passé du côté de Xbox, ben le banjo qu'ils ont sorti était pas terrible. Hein. À la limite, le Killer Instinct me fait envie. Mais après... Est-ce que j'ai pas monté en haut là? Ah, mais y a même pas une pièce de puzzle quoi, on a rien quoi. Oui, le début, mais je n'ai. Mais je n'étais pas trop Nintendo 64. Ah, moi la Nintendo 64, de toute façon, c'est clair, j'ai eu Mario 64. J'ai eu Banjo, Zelda, Ocarina of Time, forcément. Un ou deux jeux de plus. Et après, je l'ai vite revendu pour avoir une PlayStation. Voilà. Ah, t'étais plus Sega, toi. D'accord. Alors, du coup, je sais pas, quand je t'ai demandé pour les pinces, s'il fallait... sauter sur les pinces. D'accord, on va essayer alors. Je suis en train de relire un petit peu ce que tu avais écrit.
Oui, on va trouver ta taupinière, hein, pas de soucis. Il est où ce putain de crabe? Il y a un truc là-bas. Attendez, c'est quoi ça? Ah putain, je me rappelais plus de ça. Putain de requin. En plus, il disparaît cet influent. Allez, ça. Ouais, après, la PS1, même si graphiquement c'était un peu moins bien que Nintendo, parce que Nintendo ils avaient quand même de bons graphismes, les jeux étaient plus adultes. Et je me suis plus retrouvé dans une PlayStation que sur Nintendo 64. Bien que, comme je disais, ce genre de jeu là m'a fait rêver quand même. Attention. On va aller voir là-bas ce qu'il y a, et puis après on essaiera d'aller voir ce gros crabe. J'avais le 3, mais j'ai bloqué au tuto. Sonic 1 et Sonic 2. C'était quoi que tu dis qui tirait sur le papy qui sautait, qui te sautait partout? C'était quoi? Le Tomb Raider? Oh merde! Super! Ah, lui le requin, il va nous faire chier longtemps. Hein. On va grimper là. Putain, il doit bien avoir un truc pour les caméras. Là, par contre, il y a quelque chose en bas. Ah, mais il y a une pièce de puzzle. Eh, hey, prends-la, putain. Ah, ben, allez, on met une. Tomb Raider 3, je me rappelle pas d'un papy qui sautait partout. Je sais que le 3 est réputé pour être très dur, puisque je l'avais sur PlayStation 1. Ouais, c'était le plus difficile, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, papy, que c'était le plus difficile. Et moi, le premier niveau, j'avais réussi, mais alors j'y ai passé du temps. Putain! C'est qu'il était dur. La musique elle change là. Ah, c'est parce que c'est le bateau. Voilà, à la base je voulais aller sur le bateau. Est-ce que je peux y rentrer là? Ouais, on peut y rentrer. Ça c'est cool ça. Le papy était le serveur avec son plateau. Ah, d'accord. Je me rappelais pas de ça. Et il y a quoi là? Il y a une pièce de puzzle? C'est quoi ça? Je suis le trésor du capitaine Bubber. D'accord, on a des trésors à récupérer dans ce putain de bateau, quoi. Ok. Ensuite, soit je me... noyer, soit je me prenais les pics dans la... Ouais, je me rappelle de ça avec les pics. Si je me souviens bien, t'as à peu près 10 pièces. Ouais, c'est ça, il y a 10 pièces à trouver par niveau. Dans le premier monde, on en a trouvé 6 ou 7. Et mais il y en a qui sont pas évidentes, hein, les pièces de puzzle. C'est ce que je disais, c'est que dans un Mario 64, les étoiles, tu les sélectionnes et t'as la mission pour la faire. Dans celui-ci, eh ben... c'est à toi de te démerder pour tout trouver dans le monde ouvert, quoi. Par contre, il doit bien y avoir un truc à faire là. Est-ce qu'il y a une porte là, peut-être, non? Que j'ai pas vu? Non. Bon, mais je crois qu'en fait, il y avait que cette pièce là à trouver ici.
on va ressortir. Il va falloir qu'on essaye de trouver peut-être une autre entrée dans le bateau. Oh putain, il va sortir ou quoi? Ah. Je me suis pris Underworld et le dernier tome, je sais pas ce qu'il vaut. Alors le Underworld, je sais pas ce qu'il vaut, mais il paraît qu'il est bien. Et le dernier Tomb Raider, tu vas te régaler parce qu'il est très très bon. Killer Instinct, c'était sur Nintendo, Super Nintendo. Et Nintendo 64. Mais oui, j'ai connu. Et dans tous les cas, ouais, le dernier Tomb Raider... Si tu as aimé Uncharted, ben tu as très galère avec le dernier Tomb Raider. Hein. Ah d'accord, lui il pleure parce qu'il lui faut son trésor. D'accord. Et en plus, comme il parle, regardez-le. On dirait qu'il a bu 3 litres de bière, quoi. Quand il parle, il peut pas reparler. C'était rigolo. Ah, là on peut rentrer, là. Hop. Ah, y a un crâne. Ah, je sais pas en quoi il me change, le magicien, s'il y en a un ici. Ouais, parce qu'en fait, le dernier Tomb Raider a emprunté Uncharted pour les séquences, un petit peu, on va dire, d'action. Et le dernier Uncharted a emprunté quelques petites phases du dernier Tomb Raider. En particulier le crochet pour escalader. Voilà, le crochet pour escalader. Enfin, l'espèce de petite pioche qui te permet d'escalader les murailles. Ça vient de Tomb Raider. Donc les uns aux autres, en fait, ils s'inspirent. Et ça fait des très bons jeux. Oui, je sais que t'es fan d'Uncharted, c'est pour ça que je te dis, si t'aimes bien Uncharted, c'est clair que tu vas aimer le dernier Tomb Raider. 1-1, d'accord, bon ben, les paris sont serrés alors. Penalty injuste pour une main involontaire. C'était une main ou un sein? Peut-être qu'elle a touché le ballon avec. Allez hop, 2. Ah mais il ne fallait que 2. Oh mais il était pas chiant. Ces deux lingots d'or, ils se barrent. Putain. Mais la deuxième pièce. Oh, pas pervers, non. Un petit peu. Je vous montrerai pas les photos que j'ai sur mon téléphone. Pas de moi, mais de ce qu'on m'envoie. Je suis pas pervers. Du tout. Ah, on va prendre... Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il va m'apprendre à voler d'ici. Super. Allez, ma petite caille, il est temps pour toi de voler. Il va être content, le Kazooie. En fait, l'oiseau, à la base, il sait pas voler. Il faut qu'il aille sur un truc pour apprendre à voler, quoi. Donc ça, c'est un petit peu comme la casquette de Mario, hein, quand vous avez la casquette et que vous volez. Ça y ressemble. Donc du coup, on fait ça. Et ça. Et du coup, on a une petite entrée ici, et on va y aller. Hop là. Direct. Ah, les comics, je savais même pas qu'ils avaient sorti des comics. Ah, du coup, on est un petit peu à un endroit... Un petit peu spécial. Il n'y a pas de musique, hein. Comment on le détruit, cette merde, là? Ah, un petit coup de bec. Oh. Alors, si la caméra bug, c'est que j'ai du mal à l'utiliser avec mes touches paramétrées, hein. C'est pas que le jeu est... bug à ce niveau là parce que je me rappelle que c'est comme Mario 64, le jeu à ce niveau là était parfait, hein, en termes de caméra. Hop, on va se mettre là.
Ah, on va dans un phare. D'accord. Je peux rentrer? Oui. D'accord. Et tempo, tempo. Ah, mais on a récupéré un. Eh, j'ai mal aux couilles. Il y a qu'Uncharted Golden Abyss qui était sorti sur Vista. Que... Ouais, moi non plus. Voilà. Et il paraît qu'il est très bon en plus, hein, sur Vista. D'ailleurs, la Vista rip, hein. Elle est finie, la Vista. Super, le puzzle du phare, on l'a eu. Allez, on va descendre par là. Hop, on peut peut-être récupérer un petit peu des œufs. Peut-être les notes qu'il y a ici. Hop, on va récupérer les œufs dans l'arbre là. Une console qui a bidé, j'aurais aimé l'avoir juste pour... Ouais, c'est clair, mais à la base, elle était bonne, la console, mais bon. Il n'y a que Nintendo pour les portables qui arrive vraiment à faire quelque chose de chouette, quoi. Bien que je suis pas portable, hein, honnêtement. Comme je disais, je crois que c'était à Métis. L'autre fois, je disais, je suis pas console portable. Mais mon fils a une DS, et c'est vrai quand je vois... Et mon neveu aussi, d'ailleurs, a la DS. Et putain, le requin. Et quand je vois le nombre de jeux qu'il y a sur DS et la qualité des jeux, c'est vraiment la seule console portable qui s'en sort, quoi. J'aimerais bien aller voir retourner voir le crabe. Oh, t'es cheaté là. T'es apparu carrément devant moi. Dégage-toi. Ça, on l'a fait. Où est ce putain de crabe? Ah ouais, je sais que t'as 200 heures puisque tu cherches tes Pokémon introuvables. Tu l'as pas trouvé encore. Le Pokémon que tu cherches, tu nous disais l'autre fois que tu... Tu viens chercher un. Ah, il y a un château là. On va aller dedans. Mais si on peut. Je sais pas si on peut, mais je pense. Ouais. Petit château entre guillemets de sable. Ah oui, faut faire baisser l'eau. Merde, comment on fait pour faire baisser l'eau? Il y a un truc. Faut faire baisser l'eau et après écrire un mot de passe. Mais c'est pas ici qu'on fait baisser l'eau. En fait, là, ça vous dit, voilà. Tu viens ici, tu sais qu'il y a de l'eau, il faut que tu reviennes après. Il faudra revenir. Non, toujours pas. Eh ben, t'as pas fini alors. Oh, il est où ce putain de crabe? Ah, il est là-bas. Alors, les pinces. Et je le fais avec quoi? Avec le bec? Peut-être. On va voir. Merde. Ah, c'est pas avec le bec. On avait essayé ça, c'est pas ça. Non plus. Ah, peut-être il faut y sauter sur les pinces. Hop, attendez, petit message.
sont chiantes ces nanas, quoi. Quand vous êtes occupé, c'est là où vous écrivez, quoi. Alors. On va peut-être essayer d'y monter sur les pinces pour lui sauter dessus. Le saut. Ah oui, bien vu. Je crois que ça me parle, le saut, hein. C'est vrai. Putain, mais... Putain, on avait réussi à monter. Je sais pas si c'est vraiment ça, en fait, d'arriver à monter dessus et de... Parce qu'après, on va y rentrer dans la carapace. Ça, je m'en rappelle. Que dans la carapace, il y a un truc. Mais je crois pas qu'en fait, il faut que j'y saute sur les pinces. Mais il veut pas. Il faut lui... Ah, les... Ah, je vais chier les œufs dessus, tu crois? Ah, les... Oui, le saut, oui. Oui, le saut, je m'en rappelle, oui. Il faut... Ouais, il faut mettre des œufs dans le saut. Je m'en rappelle. Par contre, c'est lui, là, que je suis en train d'essayer de faire, là. Merde. Comment on lui fait, déjà, cet enfoiré, là? Ouais, mais il faut que je monte sur la carapace pour y sauter dessus. Le problème, c'est que j'arrive pas à remonter sur son truc là. Ah, ça veut pas. Ah, ça y est. Ah non, mais ça a pas marché. Ça a pas marché quand j'ai sauté sur ses pinces. What the fuck? What the fuck? Putain, il me reste plus d'énergie. On va aller chercher de l'énergie. Il était où déjà le... Ouh putain. C'était chaud. Le saut, il était où le saut déjà? Super. J'aimerais bien au moins me récupérer deux pièces de plus. Ça serait pas mal. Il était où ce putain de saut là? Ah, il est là. Ça y est, je le vois. Ça y est, je le vois. Tout à l'heure, j'y étais en fait. Faut passer par en haut, je crois. Par les super sauts, non? Ouais, c'est ça. Ça y est, on a le saut. Comme ça, après lui, il va aller... Il est là. Et ça. Le truc bien dégueulasse, tu sais. Le gros P foireux, quoi. Le truc qui te laisse une trace dans le slip, quoi. Eh ben, mon salon.
T'as lagué là. Allez, allons faire l'énigme du un truc à écrire. Hein. Alors, il paraît, alors ça c'est pareil, c'est dans le les fonds de l'affaire, hein, que ça dit que si tu tapes trop de lettres pour savoir quel est le mot de passe, ça t'efface ta sauvegarde. Je pense que c'est vrai puisqu'ils l'ont dit. Hé hé, boule de poil. Écoute donc ceci, résous mon énigme et gagne un prix. D'accord, et c'est quoi ton énigme? Hein? Faut que j'écrive Banjo-Kazooie? C'est ça? Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Récupérer ça. Sérieux, pour mon aide, quelqu'un peut m'accorder mon shiny. Je te l'accorde. Tape Banjo Kazooie. Ouais, parce que c'est ce qui est écrit sur le mur, mais. Merde, il est con quoi. Putain, ils auraient pu mettre un mot plus court, hein. Banjo. Où est le J? Oh, elle est où la touche espace? Il n'y a pas de touche espace. il est où le K? Il est là. Ah, par contre, le A, est-ce qu'il y en a un deuxième? Ouais. Where is le Z? Il y a un autre O? Ouais. Heureusement qu'on ne doit pas taper des trucs du genre New Super Mario Bros. Wii U ou des trucs super longs quoi. Oh! Regardez-moi cet enfoiré. Oh putain l'enfoiré. Il me restait que deux trucs et j'ai même pas essayé de comprendre comment il fallait le tuer quoi. Cette honte quoi. Ah putain. En plus j'ai l'autre jouable là qui me fait chier là. Le crabe là, ça me gave de pas savoir ce qu'il faut faire avec lui. Oh putain, il faut que je redonne à bouffer à l'œuf. Oh ça ils auraient pu quand même. Merde quoi. Ils auraient pu garder le truc quoi. Il faut que je te pète encore à la gueule quoi. Putain. Ouais, bah, je vais essayer d'y sauter dessus, c'est clair. Allez, ciao ciao la bombe. Gros lag, je sais pas pourquoi il lag là à ce moment là du jeu. Putain, t'as un PC du feu de Dieu. Et ça arrive encore à laguer quoi. Putain, il va falloir que je me retape les lettres. Hein. Oh con, putain. Cette haine quoi.
cette haine, quoi. Allez, gagne un prix, on a compris. Et je vais faire une sauvegarde rapide. Hein. Hop là. Et on recommencera de là, au pire. Hein. Allez. Ah, le J est au fond, je crois. Ouais. Il est où le 3? Il est plus loin là? Oui, là. Où est le Z? Il est là. Allez. Allez, viens, enfoiré. Ramène-toi. Oh. Mais j'ai fait une sauvegarde rapide, tiens. Si tu te ramènes pas. Hop là. Allez, ciao. Et voilà, on n'aura pas fait chier longtemps finalement. Ah, peut-être dans les yeux, quand il a les pinces qui s'écartent. On va faire ça de suite. On l'a eu. C'est vrai. C'est vraiment au niveau de ses yeux. On va essayer d'aller se le faire. Hop là, putain. Oh. Ouais, c'est ça. En fait, quand il a les pinces écartées ou un truc comme ça, non? Ah mais ça on l'a compris, tu nous l'as déjà dit tout à l'heure. Hein. Il faut regarder ce qu'il fait. Ah là, c'est là. Et ça. En fait il est scripté quoi. Putain, en plus il est pas dur hein, cet enfoiré. J'ai l'impression d'être assistant du live. Demain c'est mon tour. Ah oui, demain c'est toi Nicotine, ouais. C'est clair. Oui. C'est ça qui est bien sur les lives. C'est que les gens... Moi quand je vois les lives des autres, souvent aussi c'est pareil. Hein, les gens les aident, même Benzaï. Hein. J'ai vu des lives de Benzaï où les gens lui disent ouais fais ça, fais ceci. Parce que les gens ils connaissent soit le jeu où ils cherchent pendant qu'ils regardent le live. Tu vas me le tuer ou quoi? Voilà. Oh, elle est où la pièce? Petit effet un petit peu d'optique là. Allez, modo, ben il y a que Nicotine là qui est modo. Les enfants sont au lit. Ray, il est parti faire dodo. Bon, du coup, on va essayer de regarder un petit peu ce que donne le. Peut-être l'autre monde qui a trouvé. Je vais voir si je peux dégoter une autre pièce. Et sinon, on va essayer de voir l'autre monde. D'après vous, c'est quoi l'autre monde? Je vais essayer peut-être de récupérer des notes avant de partir.
Ouais, la carapace est grande, hein, t'as vu? C'est bizarre cette petite motte de plage là, y'a rien dessus? Non. La caverne tu dis? Je pense pas. Ou alors je dis une bêtise. Je pense pas que ça sera la caverne. Ah, là, il y a un truc, là. Voilà. Suis les flèches si tu cherches le trésor. D'accord. Eh bien, on va suivre les flèches. Merde. Comment il vole, ce con? Ah oui, les plumes me permettent de reprendre de l'altitude. D'accord. On va aller là. D'accord. Allez, classique, hein. Saute dans un coffre. On essayera voir. Eh mais putain.